ce camion. C'est long. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hôtel Renovator. Ça va être insane. Il semblerait qu'on a une intrus... Oh là 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 là, montrons-lui qui commande ici. Alors, j'avais checké bien évidemment le gameplay chez Horse bien avant, puisque moi, j'avais pas accès au jeu. Et du coup, je suis en mode, je veux trop regarder, c'est trop bien. Attraper la poule. Par contre, je la mets où? Je ne pensais pas que tu en serais capable, pour être honnête. Maintenant, on doit se débarrasser d'elle. Jette-la par la fenêtre du couloir. Ah non, 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 non. Hein. Ah non, mais je la jetterai. Par contre, je la défenestre pas, la poule. Hein. Attendez. Je vais regarder si je peux pas la mettre ailleurs. Mais il est hors de... Je vais quand même... Mais je veux... Non, mais... Est-ce que je peux la mettre de loin, comme ça? Je la drop de loin, comme ça. Ah non. Ok, t'as l'interaction ici. Oh non, mais je veux pas dropper la poule. Genre, il te montre qu'elle a volé tout doucement. Elle s'est éclatée la tête en bas. Bienvenue sur la version démo de Hotel Renovator, bien évidemment. Oh là 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 là, ça va être trop bien. F pour ouvrir la porte. Les gars, j'ai trop hâte. On a 20 000 balles. Vous savez que j'adore, moi, les jeux de rénovation comme ça. J'ai fait pas mal de... Oh, pas mal de house flipper. Une équipe de tournage trouve que notre hôtel est le décor parfait pour leur clip musical. Mais est-ce que t'as vu l'état de l'hôtel, Martine, ou comment ça se passe? Est-ce que t'as vu la gueule de l'hôtel? Comment ça se passe, Martine? L'équipe filmera un clip pour un jeune rockstar, Céline Jones. Non mais attendez, attendez, on va vous montrer. Oh, regardez-moi ça. On dirait, tu sais, la maison d'un serial killer, un truc... Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette baignoire? Oh, je peux passer à travers les items? Oh, c'est dommage. Bon, après, c'est qu'une démo pour le moment. Oh la vache. Bon, allez, on va cliquer pour ramasser. En fait, ça... Ah non, j'allais dire ça... Qu'est-ce que j'en fous, moi, après? Ah, débarrasse-toi de ce qui est... Ok, pied de biche. C'est parti. On part sur le pied de biche. Suppression. Let's go. Alors ça, ça fait du bien. Alors c'est un petit peu le même principe hein, pour le coup que... Ah oui, c'est vrai, on peut tout... Oui, c'est vrai, on peut tout... Attendez. On s'éclatera après. En fait, on peut faire exactement comme House Flipper. On peut tout enlever très rapidement. C'est pas des objets à ramasser, etc., etc. Sinon, ça serait trop long, vous imaginez? Hop là, hop là. Ah, j'aurais dû faire une photo pour le avant. Bon, bah, vous vous en souvenez de toute façon, on est d'accord. Vous vous souvenez du avant, les gars. On est d'accord. Allez, hop, ça dégage. Ça dégage. Les cintres avec, hein. On ne veut pas des cintres. Ah, merde. On peut pas les... Ah. Si, c'est juste qu'il faut bien les cibler. Voilà. Je pète tout maintenant ou pas? Non, on la laisse comme ça, vous savez quoi? On laisse la porte fermée et on verra après. Ça dégage. Ça dégage. On vire tout, hein. Il y a une jeune rockstar qui va venir. Oh, ça dégage aussi. Le lustre. Ok, et là, je pense qu'on a tout enlevé. Et maintenant, on va tout nettoyer. Et là, c'est le moment hyper satisfaisant, les gars. En fait, ça demande très peu de temps, finalement, d'enlever le papier peint sur les murs. Regardez. Vu qu'on charge la zone. Oh, tellement satisfaisant. On va déjà faire comme ça. Je vais déjà faire tout le tour. Après, je ferai l'encadrement des fenêtres. Après. Don't panic. Bon, en fait, c'est... Bon, là, je l'ai mal joué. La rapidité qu'il a pour taper les trucs, le gars. Papapapapaou. Oh, par contre, les murs. Oh, ah, mais les murs, il faut que je l'enlève, ça aussi. Ah, mais attendez. Ah, mais ça dégage avec, hein. Hop là. Je savais pas qu'on pouvait enlever les murs. Ça me bute la vitesse qui va. Papa, 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 ou papa, ou. Ok. C'est un rapide. C'est un rapide, notre gars. Je vous le dis tout de suite, les gars. C'est vrai que... Je sais pas ce qui est le plus rapide entre faire ça et spam clic. Vous voyez?
Je sais pas ce qui est le plus rapide pour le coup. Hop, ça dégage. J'ai peur d'oublier des trucs en fait. Là. Vous voyez? J'ai peur d'oublier des trucs. Ah bah. Regardez ça, les encadrements là. Ah mais ça c'est traître hein. C'est planqué à l'autre bout. C'est traître de ouf hein. Ok, là c'est propre. Là c'est propre, là c'est propre. Ah c'est traître. Ok, on va virer ça. Oh, dites-moi dans les commentaires les gars, mais est-ce que c'est pas super satisfaisant ce type de jeu? J'adore, c'est tellement satisfaisant. T'es en mode vas-y, let's go. Oh là 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 là. Par contre, peut-être qu'elle l'a dit au début, hein, que j'y ai pas prêté attention, mais je ne sais pas de quelle année date cet établissement. Mais je pense qu'il est excessivement vieux, ou sinon ils ont de très mauvais goûts. Parce que c'est d'un moche. C'est très moche. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ça, c'est à n'en plus douter. C'est excessivement moche. Hop là. Oh merde. Attendez. On charge. Par contre, ça, c'est bien. Dans Hog Flipper, il n'y a pas non plus... c'est sensiblement... Le... Oh, je peux casser la porte? Ah non, j'ai cru que je pouvais casser la porte. C'est sensiblement la même chose dans House Flipper. Mais j'ai l'impression que là c'est plus rapide quand même. Après aussi dans House Flipper on est des cochons très clairement puisque on peut directement repeindre par dessus, nous on s'en fout. Donc c'est pas pareil. Bon voilà, ça c'est bon. Le plafond, le plafond, le plafond. Oh, regardez-moi ça. Bon. Eh ben, regardez, je pense que tout a été enlevé. Sauf ce maudit sol. Ah non, il y a un petit coin là qui a pas été enlevé. Ah non, ça dégage. On n'est pas d'accord. Ça va très vite. Oh là là! Tellement bien, les gars! Ok, on va essayer de faire un truc assez cool. Vous savez que j'aime les couleurs foncées, moi, de base. Donc, on va partir sur un truc... Non, mais attendez. Il est en train de me dire, vas-y, let's go, c'est bon? Ah, ok. Il faut nettoyer le sol. Le balai, le balai! Ah, moi, je prends le balai. Ah non, c'est un aspirateur. Let's go! D'accord. Passons un petit coup d'aspirateur parce que c'est vrai qu'on a pas mal sali quand même. Hein. On a quand même pas mal sali. Passons un petit coup d'aspirateur. J'imagine que par la suite on pourra améliorer notre aspirateur pour avoir une zone plus large. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Vous n'avez rien vu, d'accord? Je suis en train de me poser des questions, du coup je me dis ça se trouve j'ai oublié des trucs. Oh là là! Vous n'aviez rien vu, on est d'accord? Vous avez rien vu? Ouais, vous avez rien vu. Hop, on va aspirer. Oups. Bah voilà. Ça prend forme petit à petit, les gars. Voilà. Et bah voilà. C'est beau, hein. C'est beau ce qu'on est en train de faire. Par contre, c'est vraiment un aspirateur de chantier, le truc. Hein. Il aspire tout. Ah, maintenant cloison. Choisissons un nouveau sol et des murs élégants. Alors ça, faites-moi confiance. Maintenez, clic droit pour voir le menu radial. Revêtement. On va partir sur des carreaux, des tapis revêtements en bois. Alors c'est pourquoi ça? C'est pour le sol, c'est ça? Ah non, moi je veux un sol foncé. Mais foncé, hein. Alors comment on fait? Changer de matériaux. Changer de matériaux de couleur. C'est moche, non? Et les textures sont bizarres, j'ai l'impression. C'est quoi ces textures de merde? On va mettre autre chose. C'est quoi ce bordel? Carreau de pierre, carreau en céramique, pardon, tapis. Tapis, ah non! Ah non, 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 la moquette, tout ça, les acariens et tout, on connaît les bails. Hein. Ah, hors de question. Hors de question. Qu'est-ce qu'on prend comme carreau? Comme carreau, la meuf. Matrixée par les carreaux, du coup. Qu'est-ce qu'on prend, les gars? On prend ça. Et après, moi, je pars sur un bois foncé. Je veux quelque chose de très foncé. Je vais partir sur ce... Celui-là m'a l'air pas mal. On va partir... Ah!
Comment ça? C'est... Comment ça? Comment ça? On peut pas... Ah oui, d'accord, c'est... Oh la vache. Ça donne quoi? Ça peut donner quelque chose de sympa. Hein. Oh là là, j'essaye d'aller vite, mais bon. On voit notre pognon partir à vue d'œil, les amis. Notre pognon qui s'en va. Ça prend forme, hein. Ah, c'est chouette. Tellement satisfaisant quand ça fait ça, c'est trop bien. Ok. Comme j'ai dit, pour le moment, on se focus sur l'entrée et sur, bah, tout simplement, j'ai envie de vous dire, les murs, hein. Non, l'entrée, le salon, et puis après, on verra pour le reste. Donc, ensuite, il faut maintenir le clic droit. Et là, les murs. Ah, oh, les murs, les gars. Du revêtement. Alors, attendez. Là, faut qu'on réfléchisse parce que on peut se faire un kiff. Bon, on peut se faire un kiff, on peut se faire un kiff, oui et non, hein, parce que... Céramique, non. Papier peint motif. Ça peut être très beau, un papier peint motif. Ne l'oubliez pas. Papier peint illustration. Ça peut être très joli aussi, un papier peint illustration, les amis. Hein. Bienvenue dans Subnautica. J'ai vu un peu de... Oh là là, oh là là. Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on fait? Oh, j'ai trouvé. J'ai trouvé. On va partir sur... Attendez, je veux être sûre de moi avant. La palette de couleurs est très belle, hein. Très très jolie cette petite palette de couleurs. Donc, tab. On va partir sur un... Ah ouais, il y a les verts. Ah ouais. Ah, c'est pas mal, hein. Oh non, les bleus sont pas comme je le souhaite. Oh non, les bleus sont pas beaux. Je pensais que c'était un bleu un peu feutre. Vous voyez ce que je veux dire, on voit. Bon, on va le tenter, hein. Ah non, mais c'est, on est sur un bleu dégueulasse, là. On va tenter, on va tenter. Mais le bleu me paraît dégueulasse, il ne me plaît pas. Fais voir ça. Ah, ça me dérange là. Bon. Écoutez, on va faire les autres murs en attendant. Ah, c'est d'un moche! Attendez, attendez. Non, c'est pas ce que je voulais. Sur quelle couleur on part? Mais c'est des carreaux de carrelage, qu'est-ce que j'ai pris moi dans cette histoire? Ah non, c'est bon. On va partir sur une entrée pardon, très sombre. On va d'abord gérer l'entrée, d'accord? On va partir sur quelque chose de super sombre. Attendez, j'ai pris le noir là. Ok. On laisse les peintures se faire pendant ce temps-là. On part sur un truc très... très sombre. Et je voulais pas partir sur du noir, et je crois que je suis partie sur du noir. Mince. Zut, comme on dit. Le contour, ne l'oublions pas. Ça serait quand même vachement dommage. Ok. Ça a été peint. Là, on peut faire un renfoncement d'une autre couleur. On peut faire un renfoncement d'une autre couleur avec genre une petite table, un petit truc sympa. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, on les contourne en noir. Mais par contre, le plafond, je l'aurais bien mis d'une autre couleur aussi. Je serais bien partie sur un rouge. Ah, mais attendez, je pense que je viens de comprendre. En fait, il y a des... Bah voilà, je viens seulement de comprendre. Il y a des gammes de peinture. Tout simplement. Et je crois que j'ai trouvé ma gamme. Bah oui. Ok, on va partir sur cette couleur. Confiture, elle s'appelle. On part sur la gamme de couleurs confiture. On va voir ce que ça va donner. On est sur quelque chose de très sombre, hein, très noir. Là, on part, ouais, on est sur de la framboise, très clairement. Je sais pas si la framboise, ça me plaît. Je suis pas sûre de moi. Je suis pas du tout sûre, les gars. J'en suis où là dans les couleurs? Bah non, je voulais le rouge. On va partir sur ce rouge beaucoup plus foncé qui fera penser à mon bureau. Voilà, moi j'aime bien les couleurs comme ça. En fait, moi, mon panel de couleurs, j'ai l'impression qu'il est très... Tu le connais tout de suite, mon panel, quoi. C'est ça que je veux dire. Tu le connais direct, tu peux pas te tromper. Ça, par contre, c'est horriblement moche. Du coup, on va le faire rouge pour le moment. Par contre, j'hésite avec le vert. Le vert ou le bleu royal, là, ça peut être très stylé. On va partir sur ça pour le moment.
Voilà. On va ressortir bah, la gamme de... Oups. Bah, on était parti sur du noir. Hein. On était parti sur une entrée noire. Est-ce qu'on casse avec un... Non, je pense qu'on va rester dans le sombre. Noir. Ouais, je pense qu'on va rester dans le sombre. On va pas s'embêter. Enfin, on va pas s'embêter. C'est juste que... Je sais pas, j'ai peur que ça fasse bizarre. J'ai peur que ça fasse très 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 bizarre si je mets une autre couleur. Oh, par contre, les plafonds, après, ils vont dégager. Parce que là, cet état... Hop là, hop là. Vous avez vu ça? D'une main de maître. Je fais ça d'une main de maître. Ah, il faudra pas oublier les là-haut. Hein. Il faudra pas que j'oublie là-haut. Hop, les colonnes. Tac. Tac. Il y a tous les quotas à faire. Quel bonheur. Hop. On est sur quelque chose de très sombre. Comme vous pouvez le voir. Tac. Non mais attends meuf. L'autre doit arriver bientôt, ouvrez l'application. L'autre et vérifier combien ils sont. Eh, deux secondes peut-être. Non, oups. Bah. Pourquoi? Pourquoi on a une plaque qui se pimpe? Oh. Ah oui, ça. Oh ah non, 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 non. J'ai fait une connerie. Mince. J'ai fait une connerie. Est-ce que c'est le même rouge que ça, par contre? Parce qu'il me paraît clair. Hein. Et le parquet me paraît trop... Trop clair, maintenant, j'ai l'impression. Est-ce qu'on part sur un blanc? Eh, voilà, on est d'accord. J'aurais peut-être dû partir sur un rouge. Voilà. Un beau plafond de couleur blanc. Ça change tout quand même. Bon, ça donne envie de vomir, très clairement. Mais ça change tout. Et c'est finalement le plus important. Oh! Je crois que j'ai tout fait. Ah non. Ok. Bon bah j'espère que ça va bien donner. Non, ce mur-là, je pense qu'il me plaît pas. Par contre, ce carré me fait horriblement chier. Sachez-le. Mais pourquoi en fait? Mais pourquoi? Les gars, ça me bute. Attendez, si je fais ça, genre je le casse, j'ai pas le choix. Boum, tant pis pour vous. Si je le casse et que je fais mur, peinture. Voilà. Bon, là ça me plaît énormément cette zone, mais là j'ai du mal. Donc à voir. Un beau papier peint, j'ai l'idée. Un papier peint. Papier peint illustration. J'ai peur que ça, ce soit très moche. J'ai peur que ça, ce soit très moche. J'ai quand même très peur, on va pas se mentir. Il y a des trucs très jolis, hein, mais qui sont lock pour le moment. Parce qu'on est sur la démo, rappelons-le. Ah, puis coller ça. À moins que... Bah ouais. Ah, mais là, c'est bon, quoi. Enfin... Non, mais on va partir sur un papier peint, painting, papier peint illustration. On va regarder, hein, c'est un test. Regardons. Oh, joli le papier peint qui se déroule. Bon, bah écoutez, on va se le tenter. Voilà. Regardez, pouh, ça se déroule tout seul. On va se le tenter, on va voir ce que ça peut donner. S'il faut, vous allez me dire, c'est dégueulasse, Kiki, je vais vous répondre. Et alors? Et alors? Donc, le téléphone. Ah non, pas fin de journée, hein. Réservation. Now for the most pleasant part.
Ok, les meubles, d'accord. Donc lui, il veut quoi? Canapé, télé, la fête, à deux, une baignoire et ça. Ok, ok. Oui, bon, bah, on arrive. C'est où qu'on achète? Meubles, chaises. Alors, on va mettre un lit. On va mettre une bête de lit, les gars. Ah non, je veux pas ça. C'est horriblement moche. Oh non, les lits de place, ils sont lock. Oh bah non. Oh, cette horreur. Cette horreur que c'est. Pivoter. Bah ça dégoûte, hein. Super, s'emmerder à faire une déco de... Une bête de déco pour ça? C'est écœurant. Bon, on va en mettre deux, vous savez quoi? Je ne respecte rien, on va en mettre deux. Je vais mettre deux comme ça. Comment on change sa couleur? Non, mais je voudrais changer sa couleur. Oh, bah d'accord. Je pensais que je pouvais coller pour tricher. Non, mais attendez, on n'a pas le droit de changer la couleur? Modifier le... Oh, bah oui, bah non, bah oui, bah attendez. Oh là 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 là. J'ai rien dit. Je pense que mes mimiques ont parlé d'elles-mêmes. À partir sur du vert. Hein. Attendez. J'ai l'impression que les lignes sont pas centrées, ça me stresse. Maintenir pour vendre, cliquer pour ramasser. J'ai maintenu. Putain. J'ai maintenu. J'ai fait une connerie. Bon. Les gars, je sais pas centrer, moi. Oh, c'est vachement éloigné quand même, hein. Bon, c'est pas grave. Ce sera comme ça et puis c'est tout. Mince! Table basse. Qu'est-ce qu'on a en table basse? Faites voir. Je sais plus comment on fait. Changer d'objet. Ah oui, c'est comme ça. Eh ben. Ah, mais on est bien barré, moi, je vous le dis. On est bien barré. Alors, bon, on va faire comme ça. Et on peut changer la... Ah oui, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ensuite, c'est tab. Il y a beaucoup de touches quand même à retenir à chaque fois. Avec ma petite mémoire, c'est pas facile. Je n'aime point. Je n'aime pas. bon, les lits, c'est fait. Ajouter des tables. Mais genre des tables. Une table, table, table. Canapé. Ah, le canapé, par contre. Le canapé, on peut le mettre en face, hein. On peut le mettre en face, les gars. Eh ben. On est en train de faire une bête de baraque pour se retrouver avec des trucs comme ça. Ça me... Ah, ça me débecte, hein, soyons honnêtes. Ça me débecte. Oh la vache. Ouf. Ouf. Oh, les gammes de couleurs, c'est quelque chose, hein. On va partir sur du foncé. C'est la valeur sûre. Oh, le cuir comme ça, c'est sympa. Au niveau du code couleur, on commence à être... En vert. Allez, hop, ça part comme ça. On est sur des couleurs comme ça, nous. Oula, oula. Et on n'abusons pas, Martine. Ah bah, c'est le seul qui est... Oui, c'est le seul qui est dans le... Ouais. Ah, c'est ça, pivoter. Mais non. Mais non, on peut le pivoter différemment. Ah. On peut pas le pivoter différemment. Eh ben. On part sur du vert. Hein. Voilà. Non mais je voulais pas faire ça en fait. Lui je voulais qu'il dégage. Je vais le vendre. Tic. Ok. On va partir sur une belle télé. Parce que bon bah... On va meubler tout ça quoi. Hein. Chaise. Oh, il y a la table à mettre. J'avais zappé. Oh merde, la table. Eh ben,
Ils peuvent manger là, c'est le petit coin bouffe, hein. Ils sont pas obligés de nous embêter, hein? Hein? Ils vont quand même pas se plaindre, alors qu'on a fait un truc assez incroyable. Ah non, par contre, par pitié, dites-moi que les tables sont magnifiques, hein, parce que là, on est foutu. Ah non, parce que si les tables sont moches, les carottes sont cuites, c'est tout ce que j'ai à dire. On est foutu. On est foutu. Partir sur un truc très foncé, hein. On n'a pas du foncé foncé. Ça va pas, les gars. Oh là là. Oh non, 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 non. Merde. Par contre, je suis en train de perdre du pognon avec mes bêtises là. Attendez. Je perds de l'argent avec mes bêtises. Qu'est-ce que je peux mettre? Écoutez, j'ai envie de vous dire, pas le choix. Pas le choix de toute façon, à partir sur... Sur quoi on va partir? On a que du choix, hein, du choix, du choix, du choix. On a tellement de choix, on ne sait que choisir. Chaise. Alors. Ah oui, la chaise de grand-mère. Hein. Oh là 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 là. C'est d'un moche. Excusez-moi, mais. C'est d'un moche. Oh là là. Soyons pas dans l'abus non plus au niveau des couleurs, s'il vous plaît. En quoi elle change? Ah, c'est l'assise qui change. Oh, je peux pas partir sur cette. Oh. Non, mais ça rappelle l'esprit forêt. Ça rappelle l'esprit forêt. J'ai refait une bêtise. Mais vous avez pas vu. Eh ben on va partir sur quelque chose de très... Oh là là. On ne sait pas. Je sais pas sur quoi je vais, mais on y va. Alors, attendez. Voilà. Non mais c'est pas mal, hein. Non mais c'est pas mal. Non, ça, franchement, ça a de la gueule, je trouve, hein, pour le moment. Par contre, ça va pas, en fait. Les... On va partir sur ça. Voilà. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a fait... Oh, le tapis, bien évidemment. Alors, le tapis, on peut se faire un petit kiff. Oh, le tapis, on... Oups. On peut le mettre comme ça. Par contre, là, il faut trouver une couleur, et vite. Oh! Ah non, hein. Il y a certains trucs, des fois, vous savez, je me dis, c'est d'un moche. C'est d'un moche. C'est fou comme un tapis. Ça peut te bousiller tout ce que t'as fait. C'est un truc de fou. Oh là là. Non mais vous savez quoi, elle me dit finalement les tapis, est-ce que c'est bien... Est-ce que c'est important les tapis? Moi je crois pas. Moi je crois que les tapis c'est... Par contre ça me plaît. Vraiment cette barre là, comme ça j'aime bien. Sur quoi je peux partir par contre? Telle est la question. Oh non, ça suffit, hein. Je sais pas sur quoi partir, en fait. Attendez. Oh, comme ça, je trouvais ça cool. Parce que là, bon, ok. On peut le tenter comme ça. En fait, avec la lumière qu'il y a, j'arrive pas à me... À me dire est-ce que c'est beau ou est-ce que ça pue la merde, tu vois. Ah, bah ça serait bien.
Après, on peut mettre un... Non, on va mettre un voilage comme ça. Peut-être sur celle-ci. Bah sur celle-ci aussi, tiens, allez, soyons fous. Ah bah non. On n'est pas autorisé à le mettre. Eh ben, on peut partir sur ça. Est-ce que j'ai le droit de changer la couleur? Parce que si j'ai le droit de changer la couleur en couleur foncée... C'est magnifique. Eh ben, c'est pas mal! Vous en pensez quoi? Moi, j'aime bien. J'aime bien, franchement. Étagère. Oh là, oh là, oh là. On est où, là? Ça, j'aime beaucoup aussi. Ça, j'aime bien. Et ça, on peut même la mettre... Attendez, on va aller voir ce qu'il y a un moment comme style. Ça, c'est pas mal, hein. Ah là là, il va y avoir des styles assez stylés, j'ai l'impression. On va regarder après. Meuble de rangement. C'est vrai qu'on a un meuble de rangement. Eh ben, c'est parfait, ça peut aller là. Ne soyons pas dans l'abus non plus. Je pense que ça, c'est très bien. Et on part directement sur une couleur. Quelque chose de foncé. On va partir sur ça. On va partir sur ça. Mais j'aimerais en fait des couleurs plus foncées, mais malheureusement, on n'a pas plus foncé. Donc, on fera avec ça, les amis, pour le moment. On a du rangement aussi, qui est pas mal, hein. À l'endroit, c'est encore mieux. On va pas se mentir. Oh, un petit pigeon! Vous voyez? Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Ça, c'est bien. Ça, j'aime bien. Bon, pas ici, très clairement. Après, on peut le mettre là. Mais on a des plantes aussi. Et les plantes, Dieu sait que, hein. On peut mettre une petite plante, genre ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des plantes? Oh! Attendez, un peu de verdure. Tiens, allez hop. J'aime bien ces plantes-là. Ok. Oh, celle-là, elle est mignonne. Alors, faut pas non plus en mettre trop, hein. Faut pas non plus en mettre 10 tonnes parce que ça peut vite. J'aime bien. Oups, j'ai pas regardé toutes les plantes. Ah oui. Ok. Non, je vais pas faire répétitif. Par contre, ça. Ça, j'aime bien. Ça, c'est mignon aussi. Est-ce qu'on peut mettre sur le rebord de fenêtre? Hop. Je fous de la plante partout, très clairement. Mais c'est beau et on va pas s'en plaindre. S'en plaindre, tout à fait. S'en plaindre. Non. Non, non et non. Non. Non, non, non. Loisir. Ah, une belle télé. Alors ça. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est un appareil photo? Oui, dis donc. Ah, un smartphone. Eh, faut pas qu'ils oublient leur téléphone. Ok, on a quoi? C'est une barre de son ensuite? Ah, d'accord, ok. Eh ben, on peut le mettre là, tiens. On peut mettre ça là. Les lampes. Alors, les lampes. Ce serait quand même vachement dommage. Attends, mais c'est un truc qui se met au plafond, celle-là? Alors là, par contre, pour trouver le centre. Ça sera comme... Ah, c'était pas quelque... C'était pas du tout quelque chose qui allait... C'était pas du tout quelque chose qui allait au plafond. Hein, absolument pas. Bon, c'est moche. Ça dégage. Ok. Lampe murale. Très jolie, les lampes murales aussi. On aime bien. On adore, même. Oh, j'ai envie d'en me foutre sur les côtés, mais bon. Ok. On peut en mettre une là, tu vois. Oh, on n'a pas fait la salle de bain, je me dis, les gars. On n'a pas fait la salle de bain. Ok. Ensuite. Ah là là. On ne sait que choisir, hein. Plafonnier. Ouais. On va partir sur... Sur ça. C'est dans le style que... Qui va bien, je pense. Décoration amovible. Ah, il va vraiment falloir qu'on mette... Mmh.
Il y a des trucs, c'est quand même très moche, hein, soyons honnêtes. Mettre du livre. Oh, oh là, oh là. On part où, là? On part où? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite? Oh! Des petites bougies, là. Ça fait toujours plaisir, ça. Hein, des petites bougies, comme ça. Hop. Hop. Hop là. Oh putain, la meuf, elle a toutes les bougies du monde. Elle a toutes les bougies du monde. Attendez. Ok. Voilà. Au moins, ça fait habiter, tu vois. Au moins, il y a quelque chose. Ensuite. Qu'est-ce que j'ai mis? Je mets des bêtises. Ok. Décoration murale. Alors ça, j'adore. Ça, j'adore. Pour en mettre un là. Hein. On pourrait en mettre un là. Par contre, il est vachement petit. Et ça, c'est dommage. Alors celui-là, j'aime beaucoup aussi. Et bah ça sera un petit clin d'œil à la vidéo dehors, ce que j'avais vu. Qui, je crois, dans mes souvenirs, l'avait mis ici. Et petit clin d'œil pour toi, Horse. Ça sera pour moi aussi ici. Oh, les chats, c'est trop mignon. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Ça irait super bien là aussi. Hein. Je sais pas quoi mettre ensuite. Oh! Ça, j'aime beaucoup. On va mettre ça, genre. Là? Voilà. Ça habille. Ensuite, eh ben, je pense que pour ici, du moins, c'est bon. Loisir, bah oui, on a mis. Par contre, là, faut qu'on mette un meuble. Ça ne va pas. Faut qu'on mette un meuble ici, on n'a pas le choix. Oh! Mais j'en peux plus des misclics, c'est un enfer. Je passe mon temps à misclic sur ce jeu. Alors, par contre, je sais pas quoi mettre comme meuble. Ça, c'est la question. Ok. Par contre, qu'est-ce qu'on met là? Qu'est-ce qu'on met ici? Vous me le dites. Qu'est-ce qu'on fout ici? Oh, oh non, puis un truc massif comme ça va pas, quoi. Je sais pas quoi mettre, les gars. Et si on mettait un canapé? Il passe en plus, hein? On n'a qu'à mettre un canapé, vous savez quoi? Personne ne le verra. Il est discret, ce canapé, de toute façon. On met un canapé, on s'emmerde pas. Non, mais redonnez-moi les couleurs d'avant. Ah non, il n'y a pas de rouge. Putain, je me disais bien qu'il n'y avait pas de rouge. Je me disais bien que c'était chelou que je prenne pas de... Voilà. Voilà. Oh, eh les gars, ça a de la gueule, hein, l'appart. Bon, par contre, qu'est-ce que... Oups. Qu'est-ce que je fous avec ces livres, en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de ces livres? Ah bah tiens. Non, c'est moche. Ah bah attends, ça va dedans ou pas? Oh, mais attendez. Si ça va dedans, mais il n'y a pas de problème, on va habiller. On va habiller ça avec tapis, rideau, étagère, rangement, plante. On va mettre une petite plante dedans. Celle-là, là. Celle-là qui passait pas tout à l'heure. Elle peut peut-être passer maintenant là-dedans. Oubliez ce que j'ai dit. Oubliez ce que j'ai dit. Mais oui, une gigantesque plante comme ça ira parfaitement. Non. Décoration. C'est quoi? Allez hop. Ça, c'est gros, hein. On va mettre comme ça, espace pour changer la couleur ou pas? Ah ouais, non. Pas changer la couleur. C'est pas grave. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, les gars, mais je mets parce que il faut habiller. C'est rien. C'est rien du tout. Faut pas paniquer.
Qu'est-ce qu'on peut mettre ensuite? Ça, je vois pas ce que ça foutrait là, mais... J'ai envie de le mettre ici quand même. Non, allez hop. C'est bien assez... Non mais ça passe pas, sérieux? Oh bah voilà, je sais que ça passe. Bah voilà. Allons-y les amis, allons-y. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire finalement ici? Ajouter des rangements et ajouter des lampes. Je me sens quand même très déçue qu'ils me disent ça parce que je trouvais quand même qu'on avait ajouté pas mal de trucs. Hein. Je sais pas vous, mais pour moi on avait quand même mis... Waouh. Alors là, d'accord, on avait peut-être pas tout mis les gars en fait. Hein. On avait peut-être pas tout mis très clairement. Ah ouais, là ça ajoute un petit truc. Hein. J'aime bien cette lampe, elle est très belle. Waouh. Est-ce que je mettrais pas un truc par terre, tiens? Non. C'est déjà assez chargé comme ça. Il nous manque des rangements, ajouter des rangements. Mais comment ça? Ajouter des rangements? Il me... Oh non, mais c'est énorme en plus. Ajouter des rangements, c'est très grand en plus. C'est très très grand. On peut les mettre là. On peut le mettre là. Il faut qu'on regarde si on a le droit de changer la couleur. C'est dommage. Hein. Les couleurs me plaisent pas. Mais attends, c'est abusé. Il y a des codes couleurs, c'est n'importe quoi. Ah non, c'est moche en fait. Non, non mais attends. La meuf me dit, attends, super, ceci, cela. Attends Martine, hein. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Attendez. On va virer ça, j'ai une idée. Tiens, allez hop, regarde-moi ça. Ni vu ni connu. Boum. Et ben voilà. C'est beau ça. Ça c'est magnifique, j'adore. Hein, bon maintenant on va... Ah non, on passe à la chose horrible hein, de cette... Attendez, je crois qu'on pouvait repeindre aussi les portes. Revêtement en bois. Je crois, mais je suis pas sûre de cette info. Mais je crois que j'avais vu dans la vidéo dehors ce qu'on pouvait repeindre. Et ça, c'est beau. Ah bah, je sais pas comment on repeint du coup. Bon, c'est pas grave. Les portes vont très bien de façon avec le décor. Allez, on ouvre. C'est parti, les gars. Oh là là. Oh, mais regardez. Regardez, genre, le changement. Regardez. Ta-na-na-na-na. Et d'un seul coup, tu sors. L'explosion. Regardez-moi ça. Oh putain. Bon bah on y retourne les gars, on y retourne. Pas le choix hein. Allez, on va essayer de se dépêcher. C'est la salle de bain, en soi ça devrait pas mettre 10 plombs, mais me connaissant, je pense que si. Oh ça, ils sont pas mal. On va changer les serviettes aussi. Hein. Mais ils sont dégueulasses pour un hôtel. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, je les trouve. Ils sont excessivement sales. Oups. Ok. Parfait. Oh! J'aurais tellement dû fermer la porte. Oh, j'aurais tellement dû fermer la porte, les gars. Ah, puis maintenant, faut retrouver le bon. Hein. Maintenant, je ferme cette maudite porte et on n'y sort plus. Oh mince, quel enfer. Allez, on explose tout. Pouk. Pouk, 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 pouk. Ok. Je laisse les luminaires pour le moment, les lampes murales là. On verra ce qu'on en fait après, vous inquiétez pas. Ok. Ok. On a tout clean techniquement. Ok. Maintenant, on va passer un bon coup d'aspirateur parce que je pense que l'endroit en a besoin. Let's go. Là, on va partir sur du carrelage.
C'est pas pour jouer le cliché, mais le carrelage, c'est facile à nettoyer, simple et efficace dans une salle de bain. Eh oui. Je m'en doutais que j'avais oublié un truc. Tic. S'il faut, je vais regarder le record, après je vais voir que j'ai oublié ce truc en fait. Bon, c'est bon. J'ai rien pété ici, hein. Non, c'est bon. Alors. On va partir sur des... Ah, carreaux de pierre, ça peut être pas mal aussi, hein. Oh. Petit carrelage comme ça, là, moi j'aime bien. C'est sympa. Carreaux en céramique. Ça, c'est très joli aussi. Ah là 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 là, on ne sait que choisir, on ne sait que choisir, les gars. Je sais pas sur quoi partir. Tapis, bah tout à fait. Hein. On va partir sur des tapis. Je pense que... Oh, attendez. On le tente, on le tente. Ça peut être très beau. On va voir. On doit faire des tests. On a quoi à mettre dans cette salle de bain? Recouvrir les murs. Ouais, bah, t'inquiète. On s'en occupe, Martine. On part sur du carrelage, là aussi, ou pas? Oh, attendez. Eh. Alors, moi, j'adore les couleurs foncées, hein, mais... Vous n'êtes pas obligés de faire pareil, les gars. Oh là là, moi, je trouve ça trop élégant, en fait. Après, tu me diras, il y a des couleurs claires élégantes aussi, mais le noir, je trouve que... Oh merde, j'ai oublié un carreau. Hop. Bim. Et boum. Ça arrive, ça prend forme tout ça. Peinture. Par contre, on va partir là cette fois-ci sur une peinture... On va partir sur un joli blanc. Hein. On va pas trop foncer la pièce, quoique ça serait... Moi j'aime bien aussi, je trouve ça très beau. À partir du moment où t'as un très bon éclairage... Par contre, après, il faut pas que les décorations, tout ce qui est accessoire et tout, faut pas que ce soit de la même couleur. Après, sinon, là, effectivement, ça serait pas ouf, ouf. Le sol. C'est le revêtement, hein, le sol. Hein. Oui. Tic. Voilà. Ça me stressait. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre? Ah, il y a l'histoire de la baignoire aussi. L'autre, il aime bien les baignoires. Oui, bon, on va partir sur ça. Ouh. On est sur quelque chose de très élégant. Attendez, laissez-moi réfléchir 2 secondes. Je pense qu'on va partir sur ça. Mais je vais le centrer de ouf, hein. Je vais le mettre là direct. Est-ce qu'on peut changer la couleur? Est-ce qu'on part sur du blanc, par contre, ou au moins les trucs principaux en... Non, on va partir sur ça. On va partir sur ça, c'est plus fort que moi. On va partir sur une douche aussi. Oh, très... Oh, alors celle-là, j'adore. Très belle douche. On va pas mettre comme ça, ça serait très con. Très, très belle douche. Douche que j'ai potentiellement mis à l'envers. Ok, là, c'est bon. Espace... Ah, c'est la couleur de ça qui change. Ah bah non, on va la laisser comme ça. Moi, je trouvais ça très beau. Ok, par contre, les lumines... Ça, je... Merde. Ça, ça nous embête. Ça, c'est en train de nous embêter. On va les mettre là en attendant. Et si on leur trouve une place, hop, on les prendra juste après. Ensuite, le toilette, bien évidemment. Le sein toilette, qui est dégueulasse. Il est moche. Bon, les toilettes, sinon, je les fous à l'entrée comme ça. Oh ah ouais, c'est moche. Hein. C'est vilain. Oh, c'est moche. Je suis outrée, je pense que ça se voit. Je trouve ça très moche. Mais pas trop le choix. Il n'y avait pas plus beau. Lavabo. Le lavabo. On commence à être un peu serré. On commence à être un peu serré, très clairement. Qu'est-ce qu'on peut prendre? La double vasque, elle est magnifique, mais le problème, c'est que ça prend trop de place et on peut pas se permettre de autant de place. On va partir sur ça, mais si on a le droit de changer de couleur seulement. Heureusement que j'avais dit qu'il fallait mettre l'accent. Enfin, tout ce qui est décor et tout, on va mettre... Accessoires amovibles, c'est quoi? Ah, petit parfum et tout? Oh! Attendez. Pourquoi ça tient pas?
complètement inefficace, cette merde. Attendez. Attendez, ça me demande des rangements. Ouais, mais rangements... Non, mais ça, c'est pas... Ajouter des rangements. Ah non, mais c'est là. Autant pour moi. Oh Hein? Et c'est pas ce que je voulais faire. Putain. Ah non, c'est clairement pas ce que je voulais faire. Tu dégages. Par contre, les rangements, là, ça me dérange un peu parce que... Je suis en mode, qu'est-ce que je fais comme rangement, en fait? C'est moche, hein. Ça me rappelle la vidéo de Horse. En fait, ça fait mastodonte. Ça fait vraiment... Je trouve ça moche. Bon, bah là, va falloir la jouer à mort sur les accessoires. Accessoires de salle de bain, let's go. Ah là, va falloir la jouer à mort. Parce que là, voilà quoi. Ah, les linges. Ok. Petite brosse à dents. Le PQ, le Saint PQ, c'est quoi ça? Je sais pas, mais on va le mettre là. C'est quoi le savon? Il est tombé, hop, on n'a rien vu. On va le mettre dans la douche. Non, 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 on n'a pas fini, nous. Hein. Nous, on la joue pas comme ça. Hein. Je crois que c'est le gobelet. Parfum. Non, non, mais moi, je... C'est pas fini, hein. C'est pas fini, hein. Est-ce que je peux m'accroupir? Mais non. Par contre, c'est trop mal rangé. Merde. Ah bah non. Ah bah non. Ah, j'ai chopé le meuble. Du coup, j'ai tout fait tomber. Et moi qui blinde à chaque fois d'accessoires, eh ben... Oh là là, quel enfer. On va mettre ça comme ça. Tac. Ensuite ça. On va dire qu'on vient de l'utiliser, on le met là. Il est tombé, je crois. Oh, quel enfer. Mais il n'y a pas un porte-savon, parce que là... Voilà. Et il est où le truc qui est tombé? Il a du mal à tenir ce truc, hein. Bon, voilà. Ensuite. Accessoires muraux. C'est quoi? Ah. Porte-serviette. Est-ce qu'on a un miroir? Ah ça, ça serait beau, un miroir. Pour la douche. Ah, le PQ. Le Saint PQ. Alors ça, c'est le sèche-serviette. Hein. Le sèche. Hop. Ah là là. Attendez. On va faire autre chose, on va faire autre chose, attendez. Ok. Ok. On va faire un truc en mode, tu vois, là, on peut mettre une serviette, on peut accrocher des trucs. Ouais. Et c'est pas mal, hein. Lavabo, douche, machin. On a pas un... Oh ! Si, on a un miroir ! On a un miroir, les gars ! Let's go, le miroir ! Attendez, on va déjà mettre une plante. On a un miroir, je viens de m'en souvenir. J'étais en mode, dommage, on a plus de miroir, c'est bien dommage. Ça, c'est un peu con. Je sais pas. Ouais, 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 ouais. Non, non, non. Ça, tu sais pas ce que ça fout, là. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Voilà.
Le téléphone. Hop. Décoration amovible. Est-ce que c'était là ou pas? Boum, le miroir. J'ai envie de partir sur un miroir comme ça, qui est bien cool, mais il est bien petit. Du coup, c'est très con. On va partir sur ça, c'est parfait. Est-ce que là, on mettrait pas un... Je sais pas. Est-ce qu'on mettrait pas un truc ici? Oh là là. J'ai envie de le remettre là. Là, ça manque. Il manque quelque chose ici. Je ne sais pas encore quoi. Mais il manque quelque chose. On peut mettre un miroir toujours ici, hein, sachant... C'est pas choquant, hein. On peut mettre un miroir ici. Un plafonnier. Très important, le plafonnier. On a souvent tendance à l'oublier. Et pourtant, on va mettre un plafonnier de luxe, hein. C'est une salle de bain de luxe, on tape dans le plafonnier de luxe. Pas de discussion possible. Les lampes murales. C'est vrai qu'on avait les petites lampes. Mais je ne sais quoi en faire. Je ne sais pas quoi en faire. Alors, le truc qui serait bien, c'est de le centrer. Sauf que c'est pas facile de centrer. Tic. Et celle-là, je sais pas où la mettre, les gars. On met une veilleuse comme ça au-dessus des toilettes? Celle-là, je pense qu'on va la vendre. Hein. Ouais, je pense qu'on va la vendre. Oui, on va la vendre. Ok. Ça... Il est pas du tout droit, le... Bon. C'est difficile de... placer comme il faut, je trouve. Hein. Bon, bah... Faites voir. Oh, c'est propre, hein. Oh, la salle de bain, les gars! J'adore! Oh, la salle de bain, j'adore! Elle est trop belle! Elle est trop trop belle, cette salle de bain. Waouh. Elle est badass. On a géré, les gars, on a géré. Par contre, je vais partir juste sur un tapis, je pense, pour la fin. Ah. C'est dans quoi, les tapis? C'est les meubles, hein. Tapis. C'est vrai que c'est pas genre le petit tapis de merde. C'est vraiment la bête de tapis. Non. Est-ce que le tapis ne gâche pas tout? Je vous le demande, les copains. Mais malheureusement, cette vidéo sera terminée quand vous allez me répondre. Et c'est bien dommage. Non, je pense que le sobre reste la meilleure des choses. Hein. Du sobre, du sobre, du sobre. Bon, bah... Bah voilà, les gars. Je pense qu'on est pas mal. Parce qu'on met un rideau. On peut pas mettre de rideau ici, je comprends pas pourquoi. Par contre, il y a vraiment un problème avec ce... Qu'est-ce que je viens de foutre? Je sais pas ce que j'ai foutu au cas où, je préfère vous le dire. Ah oui, je pense savoir ce que j'ai foutu, du coup. Je pense savoir ce que j'ai fait, du coup. Ok. Bon bah du coup, les amis, on va faire la réservation et puis c'est bon. Hein, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va faire la réservation. Let's go, les gars. Le téléphone, on le sort. Réservation. On va lui faire payer plus. Hein. Ils vont raquer, hein, je te le dis tout de suite, hein, Martin. Elle va monter à 60 balles. On valide les modifications. Et on peut leur dire, les gars, let's go. Vous venez. Comment on leur dit ça? Réserver. Bah, réservation. Ah, c'est trop cher. Non? Ah bah non. D'accord, je viens de comprendre. J'ai compris, c'est bon. Hop. Vous allez payer 60 balles, les gars, je vous le dis. Ah, ils étaient contents ou pas? Oh, lui, il est sérieux? Lui, regardez sa tête, elle était en mode... on peut pas faire la fête. Non, mais mec, je t'explique, c'est comme ça. Premier hôte sont arrivés et semblent satisfaits. Ça, ça fait plaisir, les gars. Une étoile, j'ai eu? Après tout ce que j'ai fait? Il y a déjà tout ce qu'il faut dans la chambre, les clients seront ravis. Très bien, Martine, mais... Terminer la journée.
Allez. Fin de journée, je les encaisse. Lui, il est sérieux. Lui, il lui manque un truc, il est pas content. Bon, sinon, ils sont satisfaits au total. Allez, c'est beau, les gars. Fin de... C'est beau, hein. Regardez ce qu'on a fait. Regardez comme c'est beau. Franchement, je suis contente. Oh, je suis contente. Par contre, ils sont sérieux à lancer leur merde, leur pizza et tout, là? Putain, mais c'est tellement irrespectueux! Mais... Putain, mais sans déconner, ils m'ont tout renversé? La meuf est en train de me dire, c'est la fin de la démo, casse-toi, et moi je suis là, mais c'est une honte, ils m'ont tout renversé! Ouais, par contre, c'est des gros dégueulasses. C'est bon, c'est parfait, les gars. On y va. On s'en va. Allez. Bah les amis, c'est la fin de cette démo. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment et que ça vous a plu cet épisode d'Hôtel Rénovateur. J'ai passé un temps fou, c'est vrai, mais j'adore les jeux comme ça. Du coup, je vous fais à tous de très très gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette salle de bain et de cette maison. Enfin, de cet hôtel, cette pièce plutôt. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.